j'ai pas réfléchi à d'intro particulière pour cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo s'appelle « J'ai besoin d'une pause ». Déjà bonjour, bienvenue à tous. Ça faisait longtemps, ça faisait combien de temps vite fait? Un mois? Le temps passe vite. J'ai vu vos messages sur les réseaux sociaux, sur la dernière vidéo, tout va bien, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour plein de choses à la fois. Chaque fin d'année, il y a une chose que j'aime beaucoup faire sur ma chaîne, c'est faire une sorte de rétrospective un petit peu de l'année. Pour cette fois, on va découper la vidéo en deux parties. Il y aura une partie positive, puis une partie négative, et ça va monter crescendo à chaque fois. J'aime bien, c'est structuré. Ça, c'est mes profs, ils seraient trop fiers. Durant cette vidéo, vous allez être surpris, vous allez apprendre certaines choses, je vais répondre à certains dramas aussi, je pense à ça, ou encore ça. Bref, c'est une vidéo croustillante, si vous aimez les dramas, vous êtes au bon endroit quoi. Surtout préparez les TikTok, je vous mets déjà un bon format, regardez. Hop, voilà, on est nickel. Il manque juste une petite musique déprimante et là, je peux démarrer. Les gars, arrêtez d'être méchant dans la vie. Putain, essayez d'être cool. Ça me fait rire parce que mon TikTok il est envahi de phrases de youtubeurs et de streamers avec une petite musique de fond et tout, et ça donne un côté très dramatique et ça fait surtout des centaines de milliers de vues et beaucoup d'argent pour ceux qui les reprennent. Bref, bienvenue messieurs dames dans cette nouvelle vidéo bilan. Commençons par la partie positive des choses, c'est parti. Par quoi commencer? Je pense que l'un des premiers points, même si ça a pas réellement commencé en 2022, c'est le loss, forcément on peut pas passer à côté. Alors en interne on a tendance à banaliser de ouf parce que bah on est au quotidien dans ces locaux là, mais quand tu prends du recul je trouve que c'est vraiment un local de fou. Vraiment il porte bien son nom à mon sens. On a une salle de sport, un espace détente incroyable, chacun des studios très bien aménagés avec des surfaces très stylées. Et cette année pour moi le loss ça a été un local dans lequel j'ai pu faire plein de concepts, j'en suis très heureux. Si on trace un peu la chaîne et qu'on prend du recul, j'ai commencé l'année en tête à tête avec Tom Holland. Voilà, j'en fais pas des caisses quoi, c'est un classique. Je passe au set, tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de me rappeler sans arrêt que j'ai fait un feat avec Tom Holland, c'est chiant. Oh, Tom Holland. Blague à part, c'était une expérience très cool malgré le fait que j'ai un anglais du niveau d'un sixième. Oh non, non, c'est... Cette année, ça a été aussi l'occasion pour moi de me tester à de nouveaux concepts qu'on va appeler des vidéos produites. Je pense au jeu de la fraude, je pense à détecteur de mensonges, à la conférence, plus récemment la vidéo qu'on a tournée avec Thomas. C'est des vidéos qui n'existaient tout simplement pas sur ma chaîne avant l'année 2022. Avant ça, c'était globalement que des vidéos studio, en voiture. Bref, j'avais jamais fait de vidéos produites. C'était une expérience nouvelle pour moi. Alors, il y a plein de choses à dire. La première chose, c'est que c'est des tournages qui sont vachement différents de ce que j'ai l'habitude de faire. Moi, en temps normal, je suis habitué à parler seul à ma cam, comme je le fais actuellement dans mon studio, un peu dans mon espace confortable, tu vois. Et là, je me retrouve devant une caméra à parler avec toute une équipe technique autour de moi, il y a genre 16 personnes avec des micros, des trucs, c'est un exercice particulier. Et dans la finalité, je suis content parce que c'est des vidéos qui me plaisent et qui vous plaisent surtout aussi. Parfois, quand je regarde les stats de ces vidéos, même plus généralement les stats de la chaîne entière, j'ai du mal à réaliser. Ce que je trouve cool qu'on a réussi à faire, en tout cas sur ma chaîne, c'est qu'on a d'un côté une production qui peut s'apparenter à la production de la télé, mais en même temps, je trouve qu'on arrive à garder cet esprit YouTube. Du coup, on a un pied sur YouTube, un pied dans la production télé, on mixe le tout, ça donne le jeu de la fraude, ça donne détecteur de mensonges, et je suis trop content de ça. Cette année, on a également fait le festival de Cannes, incroyable, j'ai été invité là-bas et j'ai pu monter les fameuses marches du tapis rouge. C'était une expérience de fou. C'est un peu un autre monde. On est toujours en costard cravate, on est escorté et tout. J'ai pu faire pas mal de rencontres. J'étais à quelques centimètres de plein de stars du cinéma. C'était assez assez drôle. Genre moi je me sentais vraiment comme ça. Mais ça me va d'avoir ce rôle, je trouve, il est marrant. J'aime bien. Quand je vous parle de rencontres, ça passe de la PDG de YouTube à Jean Dujardin, que j'ai pas rencontré, mais j'étais à quelques centimètres de lui et je trouve ça drôle. Côté musique, cette année aussi, on a sorti deux clips, Tsunami et Balada 2. D'ailleurs, Balada 2, je suis choqué à quel point le son vous plaît, parce qu'à la base, c'était un son qui avait été fait pour ma chérie, pour un EP que je lui avais fait pour Noël. Donc il était pas du tout censé sortir. Et Tsunami, pareil, c'est un son qui est issu d'une vidéo, donc ça aurait pu ne pas vous plaire. Pour rester dans la musique, d'ailleurs, j'ai une annonce incroyable et j'aurais trop aimé démarrer cette vidéo comme ça. À l'heure où je vous parle, Déprime est peut-être, sans doute, single d'or. J'aurais trop mal à pouvoir sortir comme ça, bam, le single d'or sous le bureau. Mais malheureusement, mauvais timing. Quoi qu'il en soit, c'est incroyable. Déprime, c'est mon premier son, même mon unique vrai son. Je veux dire par là que Quotidien et Tsunami, c'est des sons qui sont issus de gages d'une vidéo. Et pour Balada 2, c'est un peu différent, comme je vous l'ai dit, c'était un son que j'avais fait pour ma copine, donc pas du tout prévu à la base pour les réseaux. Donc c'est ouf, merci beaucoup pour ça. Messieurs, dames, anecdote croustillante, c'est parti. Je vous avais dit il y a quelques mois, je crois, quelques semaines, que j'avais fait un test de QI. Et je vous avais également dit qu'une fois que j'aurai les résultats, je vous balancerai un chiffre au pif pour vous donner mon QI, tout simplement, savoir si j'ai un QI d'huître ou si c'est plutôt pas mal. Je vous l'ai donné dans une vidéo, vous avez été pas mal à le capter, j'ai vu aussi sur TikTok. Waouh. Et ben, prochain colis, 132. Avant de revenir là-dessus, il faut que vous ayez un peu plus de contexte. En réalité, c'est pas moi qui me suis inscrit pour aller faire un test de QI, c'est ma copine qui a appelé une neuropsie. Et l'idée, c'était que je passe une série de tests pour faire un dépistage d'autisme, HPI, et en même temps faire un test de QI. Je suis donc allé tout faire et les résultats sont tombés. Je n'ai aucune trace d'autisme, j'ai 132 de QI et je suis HPI. Bon, alors par quoi commencer? Déjà pour le QI, si vous savez pas vraiment où situer la valeur, donc 132, je vous mets une courbe actuellement sur vos écrans qui vous permet de voir où ça se situe. Moi quand j'ai vu la courbe, je me suis dit ok, en fait je suis un génie et personne me comprend quoi.
L'enfer du type. Je rigole parce que j'ai l'impression que quand je le dis, ça, je peux pas être autrement que un mec qui se la pète. Peu importe comment je le dis. Du coup, mec, tu voulais les résultats par rapport à mon test de QI? Voilà, je les ai eu, c'est tombé, j'ai 132. Oh, excuse-nous, monsieur le génie. Et puis, tu vas me dire que quoi? Que t'es HPI? Non. Du coup, c'était assez bizarre pendant le rendez-vous parce que c'est flatteur hein, forcément d'apprendre que t'as 132 de QI, mais tu sais pas vraiment ce que ça représente, ni même le fait d'être HPI, tu vois. Du coup, la neuropsy me demande alors ça te fait quoi et tout. Et vraiment, il y a eu un gros blanc et j'ai dit bah. C'est cool quoi, enfin c'est flatteur. Après, ça change pas grand chose à ma vie parce que bah c'est pas en sachant que t'as 132 de QI que tu vas être plus. Enfin, ça change rien quoi. Je veux dire, je suis moi-même. Après, vous me direz, bah du coup, pourquoi t'es allé faire le test? C'était pour en apprendre plus sur moi-même et mieux appréhender certaines rechutes parfois. Quand je parle de rechutes, je parle lié à mon humeur ou mes maladies. Je me disais, ça se trouve, je suis autiste, y a peut-être une manière d'aborder la vie autrement et tout. Et donc là, je suis HPI. HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Et en fait, il y a tellement d'informations liées au HPI que je me faisais une idée de ce que c'était qui est peut-être pas forcément la réalité. Donc là, j'ai une personne qui est habilitée à me répondre. Allons-y. Du coup, je pose des questions et tout. Elle m'a conseillé deux livres à lire. Je les ai lus. Et concrètement, HPI, si je devais vous donner une définition, je ne saurais pas le faire. Tout ce qu'on voit sur TikTok, j'ai l'impression que tout est bullshit. Tout est faux. Concrètement, un HPI, déjà, c'est quelqu'un qui a 130 de QI au minimum. Donc les gens qui disent que être HPI, c'est pas lié au QI, c'est faux. C'est lié, en fait. Tu es HPI à partir du moment où tu as 130 de QI. En tout cas, de ce que j'ai compris dans les livres et d'après ma neuropsy, je pense qu'ils sont assez calés, hein. Plus que TikTok, je sais pas. On va voir, je prends avec des pincettes tes infos, j'ai peur de dire de la merde. Et en fait, dans ce livre, il y avait un truc qui était assez intéressant. C'est que par exemple, ça expliquait qu'en gros, on a remarqué à un moment donné, je dis n'importe quoi, en 1990, que les HPI, c'était des gens un peu turbulents, hyperactifs, qui avaient le cerveau qui fusait dans tous les sens, blablabla, et tu sais, ils sont très, genre tu les remarques parce que dans un groupe, ils sont très hyperactifs et tout. Et puis, trois pages plus tard, dans le livre, il t'explique qu'en fait, c'est faux et que c'est pas une généralité. Et la conclusion, c'est les HPI peuvent être hyperactifs comme ils peuvent être très introvertis. Et c'est ça tout le long du livre, sur tous les points des HPI. Du coup, on se rend compte qu'en fait, être HPI, c'est pas un truc en mode ah, tu es calme, timide, réservé, t'as un peu de mal socialement, ok, t'es HPI. Je vais prendre un exemple que je vais essayer de décrire au mieux. On prend une classe de 30 élèves. Voilà, ils sont là, ils font leur vie, chacun a ses différences. Et il y en a un dans le lot qui est hyperactif, qui arrive pas à se calmer, qui a les idées qui fusent, il parle tout le temps, blablabla. L'école va s'interroger, va se dire, bah peut-être que l'enfant est pas comme les autres et il faudrait peut-être aller lui faire un test de QI. Et là, on va déceler qu'il est HPI. Donc si des études doivent être faites sur des HPI enfants, on va prendre ces enfants-là, puisqu'ils sont dépistés très tôt. Alors qu'en fait, peut-être que dans le lot des 30 enfants de base, il y a un HPI qui a réussi à s'adapter socialement, qui est en phase avec lui-même et qui donc du coup n'est pas hyperactif, ce genre de choses. Donc on va pas déceler qu'il est HPI, il va vivre sa vie tranquillement et 30 ans plus tard, quand il fera un test, on lui dira, bah monsieur, vous êtes HPI. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un peu un biais de sélection. En fait, il y a eu pendant une longue période des études qui ont été menées sur les HPI, qui étaient sensiblement les mêmes. Et aujourd'hui, on apprend que il y a plein d'autres types de HPI. Bref, j'ai lu les deux livres et concrètement, j'ai rien appris sur moi. C'est juste cool de le savoir, quoi. Mais ça change pas grand chose. D'ailleurs, ce que j'ai dit à ma neuropsy qui m'a demandé un mois après, comment ça se passe, comment tu le vis, je lui ai répondu ça. J'ai trouvé ça intéressant et en même temps, je ne suis pas certain que ça m'ait plus aidé que ça dans la finalité. Après, je ne m'attendais pas à avoir une révélation qui chamboule ma vie. C'était surtout dans l'optique de tenter quelque chose et c'est toujours cool d'en apprendre un peu plus sur soi. Vous savez tout. Cette année, ça a été aussi une très grosse année pour ma chaîne, puisqu'on a passé les 4 et les 5 millions d'abonnés dans la même année. Ça m'était jamais arrivé de passer deux gros paliers comme ça. Vous avez été tellement nombreux à découvrir la chaîne et à adhérer au truc et à vous abonner, qu'on a été élu la chaîne avec la meilleure progression. Je sais que vous avez été beaucoup à réclamer les chiffres. En 2022, on a pris très exactement 1 700 000 abonnés. C'est colossal. Et à peine on vient de passer les 5 millions, qu'on est déjà 5 100 000 sur la chaîne à l'heure où je fais cette vidéo. Bref, ça n'a aucun sens. Dans les choses positives, j'avais envie de vous parler de créateurs aussi. En parlant de classement, des grosses chaînes, tout ça, je me dis, ça peut être l'occasion de mettre en lumière, mettre en avant un peu des créateurs aussi sur YouTube. C'est un peu biaisé parce que c'est mon ami, mais objectivement parlant, je trouve qu'il fait de très bons concepts et de très bonnes vidéos. Je vous conseille le YouTuber Zafil. Le YouTuber Zafil. On a tourné une vidéo sur sa chaîne, on a acheté des vues sur YouVu, je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà fait. Elle est hyper intéressante. On va bientôt tourner une autre vidéo ensemble sur sa chaîne. Bref, allez le suivre, faites-moi confiance, c'est vraiment un mec en or qui en veut, il a la niaque et tout, il veut tout casser sur YouTube. Sur TikTok, moi il y a deux chaînes TikTok que je kiffe, c'est Otabunka et Projet Reunion. J'espère que je le dis bien, Reunion peut-être. C'est deux comptes TikTok qui globalement parlent beaucoup d'animé, de Pokémon, bref, je kiffe, j'aime beaucoup. Côté musique, encore et toujours Bekar, j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il propose. Ce mec est trop fort, il faut aller le suivre. Je vous invite aussi à suivre Shelly Rose qui a sorti des sons depuis le clip Tsunami qu'on a fait. Il y a la Friendly Family sur YouTube aussi que je kiffe. C'est deux gars qui ont percé un petit peu, sortis de nulle part. C'est vraiment les deux étoiles montantes du game actuellement. Bon, ils sont un peu en embrouille, mais bref, il y a toute une histoire à suivre. Je vous invite à aller voir. Bref, si on devait un petit peu résumer cette année, ça a été pour moi des interviews qui arrivent très bientôt avec France 5, BFM TV, RTL, des rendez-vous, des projets extérieurs aussi à YouTube qui me concernent plus personnellement. Beaucoup d'opportunités, des partenariats avec des marques dont je suis hyper fier. J'ai aussi agrandi mon équipe. Aujourd'hui, je travaille avec une chargée de production slash commerciale avec Foxy qui notamment monte cette vidéo et qui monte beaucoup de vidéos sur la chaîne. Et également avec Sam qui lui aussi est monteur. Et à côté de cette petite équipe, on travaille ponctuellement avec de très grosses équipes qui nous permettent de faire de très gros concepts. Cette année, comme l'année 2021, il y a eu une sorte de notion de dépassement de soi. C'est littéralement la meilleure année de ma vie sur YouTube en fait. Et forcément, quand des choses positives arrivent, elles ont aussi leur lot de choses négatives.
J'ai fait une transition tard le lycée, en mode conclusion de dissertation un peu. Là, vous vous dites, avec toutes les choses positives dont tu viens de parler et qui sont globalement liées à ton métier, pourquoi est-ce que t'as besoin d'une pause? C'est une très bonne question. J'ai commencé YouTube, je crois, parce que j'aimais les gens. Je vous avais déjà lu par le passé une lettre que j'avais envoyée à ma mère qui expliquait un peu ce que je voulais faire de ma vie. J'aimerais inspirer les gens, tout comme certaines personnes m'inspirent, et que cette inspiration fasse naître en eux l'envie de tout donner pour réaliser leurs rêves, même si ça va à l'encontre de ce que veut la société. Je l'ai relu il y a pas longtemps, et j'ai l'impression que je m'éloigne de ça parfois. Il y a pas longtemps, j'ai tourné un podcast sur la chaîne de Raska, dans lequel j'ai dit ça. Moi, je crois que je deviens un peu aigri des gens. Je me suis pas plus étalé dans le podcast parce que je savais que cette vidéo allait sortir et que j'avais envie d'en parler sur ma chaîne, mais en gros, ça fait un certain temps qu'il se passe pas mal de choses dans ma vie et que je tanque, je dis rien parce que de toute façon je peux pas faire grand chose. Mais là j'ai envie d'en parler parce qu'à la base, quand j'ai commencé YouTube, moi ce que je voulais c'était pouvoir vous parler à cœur ouvert et pouvoir vous dire tout ce que je pensais librement sans me soucier de ah mais est-ce que ça se fait de dire ça à des millions de personnes, ah mais est-ce que avec ma position je suis en droit de dire ça, ah mais oui mais si je dis ça on va encore dire que je suis ma victime. On en parle. Dans la vie, il y a Mastu et il y a Théo. Mastu, c'est le mec qui fait des vidéos sur internet et qui vous fait rire. Théo, c'est celui qui aime bien être chez lui avec sa chérie tranquille. Moi, intérieurement, je fais vraiment la part des choses. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, j'aime bien être tranquille. Normal, tu vois. C'est le seul endroit où je peux avoir mon intimité un peu. Le truc, c'est que j'habite près d'une école et que je passe souvent devant cette école. Première fois que je suis passé, les gens m'ont pas calculé. Deuxième fois, quelqu'un m'a repéré. Troisième fois, les gens ont reconnu ma voiture et sont venus me faire une hola. Quatrième fois, ils m'ont suivi jusque chez moi. Et ça a fait le tour du collège-lycée. Et depuis, les gens sonnent chez moi. Vous avez pas autre chose à faire que venir me faire... Non mais stop. Là c'est chez moi, vous rentrez chez vous et vous ne sonnez pas chez les gens un dimanche. Je sais que ça a fait débat et que certains disaient ouais c'est bon frère tranquille c'est des jeunes, voilà comment tu leur parles. Ouais mais vous avez pas tout le contexte aussi. Parce qu'en gros là mes journées c'est ça. Bonjour. Bonjour. Non mais un verre d'eau, vous allez chez vous pour prendre un verre d'eau. On habite trop en fait. Ils étaient venus avec leurs parents. Ouais. Vous jugez bon de sonner chez moi, du coup ça vous semble cool. Non mais. Alors dans l'eau, il y a peut-être des vidéos que vous avez pas compris. Du coup, je vais vous donner un peu de contexte. Cet extrait-là, il est 23h, je suis posé dans le lit avec ma copine. On dort volet fermé, fenêtre ouverte. Et d'un seul coup, en fait, on se met à entendre « Je vais skier, le quotidien trop banal, alilala ». Je me dis « Ah, c'est mon son, haha, grave drôle, ça doit être des mecs qui passent et qui mettent le son en mode « Mastu, on sait que t'habites ici, lol, t'entends, il y a ton son ». Et en fait, le son s'intensifie, il devient super fort et ça bouge pas. Et je me dis « Putain, mais il reste devant la maison et tout ». Du coup, je me rhabille, je sors et je tombe sur une enceinte que des gens avaient balancée à 23h dans mon jardin parce qu'ils jugeaient ça cool, drôle, marrant, je sais pas. Plus tout le reste, plus les fois où j'ai pas réussi à filmer parce que j'avais pas mon téléphone près de moi. Bref, une fois à 1h du matin, je dors pas, exactement pareil, je suis dans mon lit, fenêtre ouverte, volet fermé. J'entends une voiture à l'arrêt devant chez moi, je réagis pas plus que ça, je me dis je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui s'est posé là. Et d'un seul coup, j'entends Mastu, sors, t'es un homme mort. Dac. Qu'est-ce que j'ai fait exactement à cet homme? J'ai fait une ouverture de colis, c'est tu me veux ma mort quoi. Ça arrive pas que chez moi, ça arrive un peu au lot aussi. Tout notre étage est sécurisé, il y a des caméras et tout ça, mais en bas du lot forcément, même si on a déjà dit plein de fois aux gens de pas venir, les gens viennent quand même. Et alors autant ça peut être des gens qui s'amusent à sonner, ça à la limite c'est pas trop dérangeant et ça me dérange beaucoup moins que quand c'est à la maison. Ce qui me dérange un peu plus c'est quand il y a ce genre de choses qui arrivent. Oh, yop didop les mastulipes, c'est Raska qui vient vous raconter la fois où je me suis fait menacer de mort. Bon, vous inquiétez pas, rien de grave, mais bon, voilà, la petite histoire, la petite story time, comme chaque matin, je me rends au lot, voilà, je vais travailler, j'arrive au local avec ma petite musique dans les oreilles parce que je viens à pied, voilà, on s'en fout de cette information, mais voilà, je tape le petit code pour rentrer dans le bâtiment, et là, je tourne la tête à droite, je regarde le sol, et je vois ceci, ce que vous voyez actuellement à l'écran, en énorme, écrit, Raska, t'es mort. J'ai pas rigolé parce que je suis pas quelqu'un de méchant. J'ai jamais manqué de respect envers quelqu'un. J'ai jamais été détesté par quelqu'un. Donc je comprends pas du tout pourquoi il y a ça écrit en bas du lieu où je travaille. Donc un petit coup de sueur froide. Mais bon, voilà, la castagne ça me connaît. Viens frérot, viens, on se la met. Pas du tout. Bien sûr, là, les refs, je vous en parle parce que ça date un petit peu, c'était il y a 6 mois, un truc comme ça. Mais à ce moment-là, par précaution, je suis allé porter plainte, chose que je n'avais jamais fait. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, on m'a dit, on peut juste prendre votre déposition parce qu'il faut plusieurs menaces de mort pour porter plainte.
C'était mon anecdote, voilà. Je relaisse la place à votre youtubeur préféré. Je m'en vais. Bref, ce problème de gens qui viennent sonner chez moi, c'est un truc qui me pèse au quotidien et certains diront, bah écoute, c'est le revers de la médaille, je suis pas d'accord. Si je me plains de me faire reconnaître dans la rue, bon bah là, d'accord, effectivement, c'est un peu le jeu quoi. Mais je trouve pas que ça doive justifier le manque de respect que les gens ont. Ça, c'est un des aspects négatifs que j'ai connu cette année et qui fait que ça me rend aigri au fur et à mesure du temps. Mais c'est pas tout. Cette année, il y a eu un tournage qui a fait beaucoup parler sur les réseaux. Je parle de l'échange de cartes bleues avec Michou, notamment ce passage. Désolé à toutes les personnes qui font la queue, mais on est déjà à plus de 6000 euros et c'est pas mal en vrai déjà. Hein. Ah, malheureusement, c'est non négociable, c'est même pas ma carte bleue. Ah bah tu veux. Non, Michou, Michou, il a bien les trucs avec la tête. Ça me fait mal au cœur, mais. Avec toi ici, c'est pas un vrai. Mais... Comment ça, je suis pas un vrai, j'ai une carte ici. Ça a suscité beaucoup de vos réactions sur TikTok. Je fais ce TikTok un peu spécial pour vous parler de la vidéo, la dernière vidéo de Massu. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Massu, mais je voulais absolument parler d'un truc parce que je trouve que ça a pas du tout fait de bruit. Les gars, la vie, y a personne qui en a parlé, j'ai trop envie d'en parler parce que vraiment ça me choque. La vidéo de Massu et Michou. Bon, faut qu'on parle de la dernière vidéo de Massu. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de poster la vidéo, je savais que tous ces passages allaient faire débat et j'ai volontairement fait exprès de pas tout mettre pour pouvoir en parler aujourd'hui. Pour rappel un peu du contexte, à la base, ma commerciale avait été négociée avec JD Sport pour que je vienne à une certaine heure dans le magasin avec la carte bleue de Michou. L'idée c'était, comme chez Micromania, d'arriver dans le magasin, qui est une poignée de 10 personnes normales, tu vois, comme dans un magasin classique, qu'on barricade l'entrée et qu'on dise à ces 10 personnes, vous avez 30 secondes pour prendre ce que vous voulez ici, je vous paye tout. C'était top secret, personne n'était au courant, et quand on est chez Micromania, j'entends des gens dire, ah c'est déjà fermé mais c'est pas grave, il va aller chez JD Sport. Et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup on a compris que tout le monde était un peu au courant et on s'est dit, bah en vrai on va pas aller chez JD Sport, ça sert à rien. Si tout le monde est là à attendre avec des articles, ça sert à rien, tu vois. Je leur ai demandé comment ils savaient que. Bah parce que ça fait 2 heures ils font la queue. Et ils m'ont dit, ah c'est internet, tu connais, je ne comprends même pas comment c'est possible. Donc on retourne dans la voiture avec Jules, et je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo échange de cartes bleues, mais il y a un moment on se retrouve avec un agent de sécurité à l'arrière. Bon les gars, on est de retour dans la voiture, vous l'aurez compris, on est avec Jérémy, tu es agent de sécurité, c'est ça? C'est ça. Et là tu vas nous faire passer par un passage secret en gros, ouais. Qui va nous permettre d'arriver à JD Sport. Et ben en fait c'est tout simplement parce que avec Jules on se demandait si on allait chez JD Sport ou non, et en fait la sécurité est venue nous chercher en nous disant les gars, il y a trop de monde, là il y a toute la sécurité du grand centre commercial qui est littéralement à JD Sport, c'est en train de partir en couille, il faut que vous veniez parce que plus on attend, plus il y a de monde. Il faut faire avec 20 clients, faites que 20 clients puis c'est fini, c'est histoire de dire, ah, ouais, c'est passé là. Non mais là en fait ils ont tous les vêtements, ils vont tous les laisser par terre. Il y a déjà les vêtements. Ah ouais. Est-ce que ça a fuité? Ouais, ça a fuité. De toute façon la queue déjà de la caisse elle est faite. Ah oui, en fait c'est genre time, tu payes quoi. J'arrive dans le magasin et en fait déjà je capte c'est que quand je rentre dans le magasin il y a presque personne qui me reconnaît. En fait j'ai l'impression que les gens qui sont là c'est pas du tout des abonnés. C'est seulement quand ils voient la caméra et qu'ils me voient faire le tour que là les gens sont en mode ouais let's go et tout. Et je vois le monde et tout, le magasin saccagé, les vendeuses il y a tellement de monde qu'elles savent pas quoi faire. Ils ont tout pris quand ils ont apporté ces 10 articles. Bon. Et du coup je suis en mode oula. Je me dis bon bah tant pis, je suis là, j'ai la carte bleue de Michou, il faut payer un petit peu. Ça après vous avez vu la suite dans le magasin. D'ailleurs vous êtes beaucoup à avoir remarqué ce regard là qui veut dire littéralement j'ai le seum. Puis vient le moment où je dois littéralement dire stop, on paye plus quoi. Moi je venais de dépenser 6000 euros avec la carte bleue de Michou ou 7000, je sais plus. Je pouvais pas payer pour tout le monde. Il y a eu des dingueries qui ont été lâchées. Il y a un gars qui a dit on s'en fout, Michou il est millionnaire. Michou il est millionnaire, Michou. On sait que t'as l'argent. Il y a des gens dans le fond qui commençaient à s'énerver premier degré, en mode genre j'avais l'impression de me faire raqueter quoi. Alors après je mets pas tout le monde dans l'eau, je sais aussi qu'il y a des gens sur place qui me défendaient et qui disaient arrête toi là et tout. Après ça j'ai été obligé de dire aux gens de remettre les articles à leur place parce qu'ils commençaient à les foutre par terre et bah genre miskin les vendeuses quoi. Du coup je précise et j'explique aux gens que c'est pas un truc à faire. Et regardez ce qui se passe. Si jamais pour les articles que vous comptez pas acheter, si vous pouvez les remettre au moins les remettre. Calme, calme. Si vous pouvez juste les remettre pas par terre, au moins sur là où vous les avez pris, ou alors aux vendeuses, sinon les acheter. Mais pas foutre tout en bordel s'il vous plaît, ça serait vraiment cool. Et bah écoutez, bonne journée à tous. Et merci beaucoup et désolé hein. Il y a eu aussi un truc drôle, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit que j'allais pas payer les articles, il y a des gens plutôt que de les reposer, ils se sont dit hey, nique sa mère, il y a trop de monde, ils pourront pas m'arrêter. Du coup bah... Un moment. Pour rester dans la lignée, dans cette même vidéo, on peut aussi retrouver ce genre de comportement. Ouais, tu me dis que je suis en tournage. Yo. Mais Michou, Michou, tu danses avec les stars, ça va? Ça va ou quoi? Tranquille. En plus, Michou, je peux m'accorder, attendez. Ça va. Tu penses que qui a le plus dépensé entre lui et moi? Je pense toi en vrai quand même. Bah ok, il a eu beaucoup de tickets, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il ait autant dépensé qu'on a pu dépenser. Je suis désolé, les gars, on a un tournage. C'est pas possible. Bah non, non. Et dans ces moments-là, bah tu peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils sont contents de te voir et tout, mais c'est vrai que s'il pouvait y avoir une notion de respect un peu plus élevée, ça serait cool parfois parce que c'est un peu oppressant quand ça arrive au quotidien, quand t'es posé avec ta copine et que tu veux juste te balader dans la rue par exemple, et qu'il y a une meuf qui arrive en courant, qui te chope le bras et qui fait un TikTok en train de filmer.
Hein, de quoi? Le jour où la go de Mastu m'a envoyé balader car j'ai pas dit bonjour. Alors TikTok, il a fait beaucoup de débats aussi. Et les gens se permettent de juger alors qu'ils ont encore une fois pas le contexte. C'est une journée où je me balade en off un petit peu avec ma copine en centre-ville. Et c'est une journée où, comme d'habitude, il y a énormément de photos, énormément d'abonnés qui m'accostent. Ça c'est tout, c'est la vie, tu vois. Sauf que comme j'essaie de vous le faire comprendre actuellement, autant des fois il y a des gens très cool qui m'abordent, autant des fois c'est un peu le zoo. Et bah, quand t'as envie de profiter juste de ta vie normale et de chiller au centre-ville, c'est compliqué, tu vois. Mais je comprends que les gens puissent ne pas le concevoir et tout parce que bah ils sont pas au quotidien avec moi, donc ils savent pas ce que je vis et tout. Et là, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une meuf qui me reconnaît, qui se met à filmer. Elle court à travers tout le centre-ville. Elle m'attrape et elle m'attrape comme ça. Ça c'est mon bras. Moi je tiens la main de la copine, quelqu'un me chope par l'arrière comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je sursaute de peur, normal. J'entends pas arriver, j'entends juste les derniers pas et le... Ça déjà on le voit pas dans la vidéo. Mais déjà, même si vous ça vous semble peut-être pas hyper intrusif, à quel moment vous agrippez un inconnu dans la rue par le bras comme ça? À zéro moment. Même votre pote vous le faites peut-être pas. La petite s'excuse. On l'entend beaucoup parce que elle a son téléphone collé ici, mais nous on l'entend pas forcément sur le moment, tu vois. Du coup, moi qui ai fait peur à ma copine parce que je lui tenais la main et que j'ai sursauté, ça l'a fait sursauter aussi. Quand t'as peur, des fois tu réagis mal. Suffit de voir le nombre de streamers qui jouent à des jeux d'horreur et qui s'énervent en disant fils de pute et tout. Bah là, c'est exactement pareil en fait, on est humain, tu vois. Du coup, ma copine qui n'a pas le contexte, qui entend pas le désolé et juste qui bah est en train de chiller avec moi et ça d'un seul coup on me chope par derrière et c'est pas la première de la journée. Bref, vous voyez le délire. Elle lui dit "Mais dis bonjour au moins avant de choper les gens comme ça et tout. Genre tu peux faire le tour, te positionner devant et faire excusez-moi, bonjour là." En fait, un mélange entre de la peur et de l'énervement parce que bah sur le moment il y a ce truc de sursaut de peur et cette volonté aussi de me protéger parce que moi j'en ai marre en vrai, j'en ai marre parfois de... j'ai envie d'être tranquille. Des fois quand tu sors, il y a des jours où ça va aller et tu vas être prêt à tanker et il peut y avoir genre c'est ça, de c'est 100 ça. Abonnés qui viennent même vers des toi. Horribles et tout, ouais, t'en bats la race. Et il y a d'autres jours, genre là moi je suis dans ce mood là en ce moment, genre j'ai pas du... genre vraiment au point où des fois je sors et j'ai les larmes aux yeux tellement j'ai pas envie, dès qu'il y a des gens ouais, qui viennent, je vois des regards, je suis en mode ouais, j'ai envie de disparaître là, genre je pourrais payer, sans exagérer, je pourrais payer 10 000 balles pour changer de visage. Ma copine vit avec moi, elle sait et voit ce que j'endure puisqu'elle l'endure aussi en partie avec moi. Elle sait que c'est un truc qui m'épuise moralement et nerveusement, donc elle aussi a laissé de me protéger de ça. Deuxièmement, il y a un truc que je vous ai caché depuis le tout début, mais en fait ma copine c'est ma chargée de prod et ma commerciale. Ça fait un an qu'on travaille ensemble et c'est son rôle en fait de mettre une barrière entre les gens et moi, que ce soit les marques, les abonnés, peu importe. Donc elle est déjà habilitée à dire à une meuf qui vient me choper par le bras tu ne touches pas à mon gars, mais elle l'est encore plus parce que c'est mon agent, donc elle a tous les droits. Et j'ai vu que ça choquait beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient elle se prend pour qui. Et ce qui est assez drôle, c'est que si ça avait été par exemple un SCH et son agent, que quelqu'un avait touché SCH physiquement et que son agent lui avait mis une grosse balayette, j'ai l'impression que personne n'aurait rien dit. C'est assez drôle. Troisième chose, l'abonné en question qui était venu faire une photo a fini par faire la photo avec moi et elle a compris qu'elle avait été très intrusive. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé un mail durant lequel elle disait bonjour, c'est moi l'abonné de ce midi machin, je tenais à m'excuser. Ma copine étant ma commerciale a accès à mes mails, c'est elle qui y répond. Du coup elle a répondu à cette jeune fille en lui disant je suis la personne qui accompagne Mastu, je viens de tomber sur ton mail, y a aucun souci, on a compris que t'étais pas quelqu'un de méchant, garde cette photo avec Théo comme un bon souvenir. Fin du mail. Je l'ai remixé un petit peu mais globalement je vous mets à l'écrit le mail quoi. Trois jours plus tard elle a posté son TikTok et derrière comme d'hab parce que c'est les réseaux et c'est TikTok et c'est internet, la copine de Mastu a été mise dans la sauce à cause d'un TikTok et Mastu a répondu je peux comprendre qu'une personne que tu ne connais pas vient t'attraper, que ça peut t'énerver, que ça peut être agaçant. Mais par rapport à la situation, je trouve que c'est disproportionné. Et ça me blase, parce que bah c'est le propre d'internet, mais les gens donnent leur avis sur tout et n'importe quoi, et bah on souffle quoi. C'est une des nombreuses raisons aussi pour lesquelles je veux pas que ma copine monte son visage sur internet, parce que je me rends compte qu'on arrive à mettre des gens dans la sauce sans même avoir leur visage, donc c'est assez fort, tu vois. Cette année, dans le lot des choses qui me pourrit un peu la vie aussi, c'est moi je m'étire en même temps, désolé. Mon numéro de téléphone qui a leaké. C'est pas en mode j'ai fait une erreur dans un montage ou quoi, il a leaké d'une certaine manière. Vous vous souvenez dans une vidéo que j'avais fait, une vidéo anecdote il y a très longtemps, que je vous expliquais que j'avais fait leak les numéros de Squeezie, Seb, Lena, parce que je venais d'avoir le Covid et on m'avait appelé pour savoir qui était qu'à contact. Le mec m'avait reconnu au téléphone et j'étais en mode wow, ça se trouve j'ai fait leak les numéros de tout le monde. Et tout le monde m'avait répondu dans les coms frère t'es parano, ils ont secret professionnel, t'inquiète pas, ils peuvent pas récupérer le numéro perso comme ça. Et ben mon numéro de téléphone a leak de cette manière, en gros du gros. C'est-à-dire qu'à la base c'était un secret professionnel, mais le secret professionnel. Du coup mon numéro a leak. Ce qui fait que j'ai le droit à des appels, des FaceTime, des SMS, des numéros. C'est hyper intrusif au quotidien, ça fait c'est un régal. Ce qui fait que quand je suis chez moi un dimanche, ça donne ça. Mathieu, ça. J'espère que ça t'écoute. Mathieu, bonjour, je suis le père de deux enfants qui souhaiteraient prendre une photo. On a fait, alors là, écoutez bien. Est-ce que t'entends Paris, Angers, en voiture pour prendre une photo avec vous. Hein.
heureusement, dans tout ça, il y a du positif. J'arrive à me satisfaire et à faire des bons concepts de vidéos YouTube, comme le détecteur de mensonges et surtout comme le jeu de la fraude. J'ai trop kiffé quand j'ai sorti l'épisode 2, c'était un régal de lire vos commentaires. Plagiat sur Squeezie. Non, ça, c'est un commentaire parmi tant d'autres en vrai. Imaginez, genre, je fais une vidéo produite. Avec Théodore, on se fait des piercings, on produit des clips et tout, ça coûte super cher. On se défonce et tout pour produire du contenu. Et t'es en train de dire que ça serait la majorité des commentaires. N'importe quoi. Non, les gens ont dû dire des trucs cool ou. GG Wellplay, c'est toujours du plagiat, mais c'est toujours bien. Donc, Osef, finalement. Squeezie imposteur. Mais c'est pas la même chose que la vidéo Squeezie. C'est le même concept que Squeezie. Il a plagiat Squeezie. J'ai capté, mais c'est le même concept que Squeezie. C'est Squeezie. C'est le même concept que Squeezie un peu. En gros, je vous explique. Le jeu de la fraude épisode 2 est sorti le 27 août 2022. Juste avant ça, Squeezie venait de sortir le jeu de l'imposteur. Ce qui fait que quand moi j'ai sorti cette vidéo, je me suis mangé tous les commentaires que vous venez de voir. Ça fait partie du jeu d'internet. Et c'est juste le processus qui est assez frustrant, tu sais, de te donner à fond pour créer un concept. Tu le sors, t'as qu'une hâte, c'est de regarder un peu ce que les gens en pensent et tout. Et puis tu vois ça et t'es en mode ah ok. Alors que la réponse elle est évidente, tu vois, elle est littéralement dans le titre. C'est le jeu de la fraude épisode 2. Et le jeu de la fraude épisode 1 est sorti le 19 mars. Ça a daté de fou. Mais je pense que les gens prennent pas le temps, tu vois. Genre juste en fait, ils parlent sans savoir. Et je sais que c'est dans mon taf de youtubeur et que je devrais juste passer outre, mais ça rend un peu fou. En vrai de vrai. Oh, bah qu'est-ce qui se passe? Waouh! Ah bah c'est ma vidéo? Pourquoi elle est découpée en 31 parties de 1 minute? C'est trop bizarre. Ils se donnent du mal ces comptes à essayer de me donner de la visibilité comme ça. Ça c'est un fléau sur TikTok, c'est incroyable. Il y a plusieurs de ces comptes qui s'amusent à re-uploader comme ça mes vidéos en 31 parties, notamment des extraits avec Danielou. Pour je ne sais quelle raison, les vidéos explosent toujours. Des fois vous allez sur des chaînes de gens qui font des clips de plein de youtubeurs. Il y a Danielou, ça explose, genre TikTok a compris, ils voient la tête de Danielou, ils font exploser, je comprends pas. Et du coup ça donne lieu à quoi? Ça donne lieu à des gens qui ont la haine contre moi parce qu'ils voient tout le temps ma gueule et ils entendent tout le temps ma voix comme ça. J'ai pas peur. Du coup les gens détestent ce personnage et ils disent arrête de le faire alors que concrètement je le fais pas tant que ça. Du coup je me prends une petite haine gratuite comme ça. Dylan, j'ai rien contre toi, en plus la vidéo m'a fait rire, c'est juste qu'il fallait que j'illustre. Je suis désolé. Cette explosion d'abonnés, elle a été accompagnée aussi par un tournant dans ma vie de tous les jours. Je suis retourné dans ma petite ville natale Saint-Dizier avec mes potes et on est allé dans une grande ville dans laquelle j'ai fait mes études qui s'appelle Nancy. Un soir on se dit bah vas-y let's go, on va aller se poser au bar. Je suis avec Actuan, Pozu et Kalevis. C'est mes meilleurs amis, c'est avec eux que je traîne tout le temps et tout. C'était la soirée la plus lunaire que j'ai passée de ma vie, je crois. J'étais une superstar. J'aurais dû filmer. Je comprends pas pourquoi j'ai pas filmé. J'aurais dû filmer. On est à pied, on va au bar et tout. Il commence à y avoir un afflux de personnes autour de nous. À tel point qu'en fait, on arrive au bar. Il y a une sorte de videur. Il nous dit vous êtes combien? On lui dit 4. Et il me regarde, il fait frère, derrière toi, vous êtes combien? Et je dis non, mais on les connaît pas et tout. Du coup, on rentre dans le bar. Il y a genre plein les personnes derrière nous qui nous suivent et qui rentrent dans le bar aussi. Et en fait, quand on arrive dans le bar, tout le monde nous reconnaît. Mais genre vraiment. Tout le monde. C'était un jeudi soir, soirée étudiante. Je pense que ça. On n'avait pas choisi le meilleur soir, quoi. Tout le monde nous reconnaît à tel point qu'on est bloqué dans le bar. Du coup, on est obligé de sortir. Genre, le videur, il nous regarde en mode, les gars, vous pushez tout et tout. Du coup, on sort du bar. Genre, on se fait pas exclure, mais presque, tu vois. On sort du bar. Tout le monde sort avec nous et tout. Et bah, on cherche un autre bar. On finit par se poser aux artistes, qui est un bar à Nancy et tout. Et là, j'ai pris, sans exagérer, un truc comme 300 photos. C'est simple, je suis posé en terrasse. À partir du moment où je me suis assis, jusqu'au moment où on est parti, on a pris des photos en boucle. Quand je vous dis en boucle, c'est en boucle. C'était une rencontre abonnée. Il y avait une queue qui s'était formée jusqu'à l'extérieur du bar de gens qui attendaient pour faire des photos. C'était lunaire. Et en vrai de vrai, ce soir-là, c'était pas horrible parce que tout le monde était poli. Vraiment, c'est. Bon, ouais, je me suis embrouillé qu'une personne. Mais globalement, les gens étaient polis. C'est juste, ça m'a fait prendre conscience du cap qu'on avait passé en termes de notoriété et je me suis dit waouh. Et c'est assez drôle parce que quand tu regardes un peu les gens sur internet, ils ont tendance à dire que les youtubeurs, ils font un peu leurs victimes, ils ont tendance à se plaindre alors qu'il y a des stars, genre des acteurs français qui sont bien plus connus que nous et tout. Je remets pas du tout en cause la notoriété des acteurs ou autres. Il y a juste un point que je voudrais souligner, c'est que la légitimité de la notoriété des youtubeurs, elle est très particulière. Genre, si je me plains, les gens vont un peu avoir tendance à dire ouais, frère, t'as le melon, tu te prends pour une star alors que tu fais des vidéos dans ta chambre et tout. Ça, c'est chacun son avis, tu vois. Mais il y a un truc que les acteurs, type par exemple Jean Dujardin, qui est connu de tous, il y a un truc que lui a et que des gens comme Inoxtag par exemple n'ont pas, c'est que si tu vois Jean Dujardin dans la rue, tu vas peut-être hésiter à aller le voir parce que c'est un adulte, parce que tu vois, il y a ce truc de charismatique, un peu d'acteur, d'homme mûr, tu vois. Alors que Inoxtag, il a ton âge où il est plus jeune, tu vas aller le voir facilement, tu fais ouais, Inox, tranquille, gaulerie et tout. J'ai vu, il est sympa. En vlog, il fait ça, machin. Alors qu'en réalité, c'est pas plus votre ami que Jean Dujardin, tu vois. J'ai l'impression que des fois, c'est ce qui fait là cette proximité, que la notoriété d'un youtubeur, elle peut être vraiment pesante. Et j'en parlais avec des gens qui travaillent chez YouTube et qui étaient là au Festival de Cannes. Ils étaient témoins et me le disaient eux-mêmes. Je me faisais plus arrêter que certaines grosses stars qui, pour moi, genre, je suis à des allumières d'eux, tu vois. Bref, je suis pas en train d'essayer de me saucer et me dire, regardez, je suis une giga star. Juste, en fait, j'essaie de faire comprendre que c'est un peu pesant et que là, je suis épuisé nerveusement. Les deux dernières années, elles m'ont lessivé le cul, en gros. Donc là, j'ai besoin d'une pause. D'où le titre.
En 6 ans de carrière sur YouTube, je crois que j'ai jamais fait de réelle vraie pause. Le seul moment où ça arrivait en vrai de vrai, c'était pendant la sortie de Déprime. Que j'étais parti aux vacances au Costa Rica, mais moi je me suis pas tant reposé. Enfin, non, en vrai, ce que je veux dire là, quand je parle de pause, c'est une pause vraiment où je déconnecte, pas de feed. J'essaie de couper mon téléphone, voire même j'en prends un nouveau, un truc de rechange pour pouvoir juste communiquer avec mes proches. Je prends tout ce qui se passe avec beaucoup de recul parce que j'ai quand même conscience de la chance que j'ai et de la place que j'occupe. Financièrement, j'ai aucun problème. Je suis en bonne santé, mes proches vont bien. Il y a bien pire en fait dans la vie, c'est juste que des fois j'aimerais, c'est un peu utopique, mais j'aimerais pouvoir me balader dans la rue et que ce soit juste cool. En fait, faut juste se dire que là aujourd'hui, si j'ai 5 millions d'abonnés, 1%, ce qui représente une minorité, ça représente quand même 50 000 personnes. Donc même si c'est une minorité, ça peut être quand même parfois très pesant, tu vois. Mais dans la globalité, vous êtes en majorité vraiment très bienveillant. J'assiste même parfois à des trucs un peu lunaires de gens qui prennent ma défense parce qu'ils ont tout à fait capté comment je pensais et tout. Et c'est hyper agréable à lire et des fois, sachez-le, hein, quand vous prenez la défense, ne serait-ce que dans l'espace commentaire ou même dans la vraie vie, vous me faites un bien fou. Du coup, cette vidéo, elle était là parce que j'avais envie de vous parler à cœur ouvert. YouTube, même internet se professionnalise de plus en plus et pour autant j'aime l'idée de me dire qu'on peut continuer à parler à cœur ouvert devant une caméra. C'est ce pourquoi j'ai commencé, c'est ce que j'aime et j'ai pas envie de perdre ça ici en tout cas. Je sais qu'il y a eu un mois sans vidéo jusqu'à maintenant et cette vidéo elle est pas là pour vous dire je reviens, ça y est j'ai eu ma pause, non. Elle est surtout là pour vous dire qu'en fait je commence ma pause maintenant. La prochaine fois qu'on se reverra ce sera en 2023. Je vous donne pas de date parce que je sais pas encore quand. J'ai envie de prendre le temps nécessaire pour me ressourcer du mieux possible, comme ça quand je reviens je suis en pleine forme et je peux vous faire des vidéos de fou furieux. Dis ça si ça se trouve je vais revenir avec des vidéos très chill, mais voilà, vous avez un peu le contexte. Enfin bref, merci infiniment pour toutes les personnes qui me soutiennent et pour toutes les personnes qui me suivent, pour toute la force que vous m'apportez. Surtout ces deux dernières années, c'est vraiment incroyable tout ce qui peut se passer et je vous remercierai jamais assez pour ça. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur, profitez de vos proches, profitez des vacances. Je vais faire de même durant ce laps de temps. C'était Mastu, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!